ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد يا إخوتي الكرام، نستأنف دروس هذا الكتاب، ووصلنا إلى باب من أهم الأبواب، ألا وهو مصدر التلقي عند أهل البدع. Nous sommes arrivés, Inch'Allah, à un chapitre que le Mu'allif, Hafidahullah Ta'ala, a nommé les sources de l'acquisition des sciences des gens d'innovation. D'où puissent-ils leur science? C'est ce qu'on va voir ici, Inch'Allah, à travers ce cours. إذن يبدأ المؤلف حفظه الله تعالى ويقول من أعظم مميزات منهاج النبوة ما يتعلق بأهل البدع والأهواء، فمنهاج السلف في العقيدة له مميزاته التي مغرى ذكر بعضها. Ce qui signifie, et ça c'est quelque chose qu'on a eu déjà l'occasion de voir dans des cours précédents, parmi les plus grandes particularités de la voie prophétique, c'est ce qui se rapporte aux gens de l'innovation et de la passion. C'est comment ils considèrent les gens de l'innovation et comment ils traitent avec eux. كيف التعامل معهم؟ نعم. فمنهاج السلف في العقيدة له مميزاته التي مغرى ذكر بعضها. Il faut savoir, et ça c'est ce qu'on a déjà vu, c'est que la voie des salaf dans la aqida, elle a ses particularités dont certaines d'entre elles ont déjà été évoquées dans le livre. D'accord ? ومن أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les plus importantes caractéristiques par laquelle se distingue la voie des salaf dans l'aqida, c'est que l'acquisition des fondements religieux est restrictif. Et restrictif à quoi ? Au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les salafs, ou ceux qui suivent cette voie-là, ne prennent leur religion que du livre d'Allah et que de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne suffit pas, mes frères. Mais selon la compréhension des salafs al-salih. وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِفَهْمِ السَّلَفِ الصَّالِحِ هَذَا أَصْلٌ لَا يَتَحَلْحَلْ. Donc, ils prennent du livre d'Allah, de la sunna du prophète, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ce fondement chez les gens de la sunna, la yatahalhal, il est stable et il ne vacille pas, suivant les époques ou les lieux. D'accord ? C'est un fondement bien établi, qui perdure dans le temps et qui perdurera, inshallah, ila yawm al-qiyama. La yatahalhalu inda ahli sunna, la yahidun anhu qida un mulatin wala aqalla min dhalik. Ils ne dérogent pas à ce fondement, les gens de la sunna. Ils ne dérogent pas à ce fondement, ne serait-ce que par le bout d'un doigt. Il faut que ça soit clair pour nous, mes frères. Ne soyez pas trompés par de beaux parleurs. Ne soyez pas trompés par des gens qui parlent au nom du livre d'Allah et de la sunna du prophète et qui peuvent avoir un bagage scientifique. Ne soyez pas trompés par ça. Mais il faut avant tout regarder à quoi appelle cette personne, sur quoi il est. S'il est sur le livre d'Allah, sur le du prophète, selon la compréhension des sahaba, marhaban, alors là, il est le bienvenu. Si on voit qu'il déroge, dans ce cas-là, il est sur une voie dissidente et discordante. Voilà la particularité principale des gens de la sunna. Maintenant, en contrepartie, ou à l'opposé, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, ces deux termes, ils sont pratiquement synonyme. Il faut savoir que les gens salaf, ils appelaient Ahl Bida, ils appelaient Ahlul Ahwa, les gens de la passion, ceux qui suivent leur passion. Tous ceux qui ont innové dans la religion, ils l'ont fait que en suivant leur passion.
Ils ont considéré, eux, par leur raison, que ceci c'était bien ou que ceci c'était pas bien. Ou alors, ils ont senti dans leur cœur que tel acte d'adoration, que ne faisaient pas le prophète et les compagnons, était bien et qu'ils se sentaient bien dedans, comme on l'a déjà vu dans des cours précédents. D'accord ? Ils ont dévié au bien par la raison, en faisant devancer la raison sur les textes religieux, ou alors par la passion, par les sentiments, en faisant passer leur intérêt personnel avant les textes religieux. يقول المؤلف حفظه الله تعالى وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر تلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم يؤولون الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة الواهنة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. On va essayer de détailler un petit peu ceci, inshallah. Il dit, quant au genre de la passion et de l'innovation, leur source de législation n'est pas restrictive au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Ils peuvent prendre du livre d'Allah et de la sunna du prophète, mais ils prendront aussi d'autres choses. Ce n'est pas restrictif à ces deux sources de législation. Et aussi, leur voie qu'ils ont empruntée, leur voie innovée qu'ils ont empruntée, elle a été inventée par leurs savants et leurs chouyours. Deuxième chose. Troisième chose. يؤولون الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم. Ils expliquent le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en concordance avec leurs croyances ou leur voie qu'ils suivent. Ils vont donner une explication des textes religieux qui va essayer d'être en corrélation avec leurs croyances qu'ils ont déjà. Quatrième chose, ils s'appuient sur la raison. Ou bien ils s'appuient sur la raison. Al-aql al-mujabrad. Que la raison et les textes religieux n'ont aucune importance. Ou alors ils font devancer la raison sur les textes religieux. Aussi, ils s'appuient sur des hadiths qui sont faibles. Mensonger, ça c'est le cinquièmement. Sixièmement, ils suivent al-mutashabi. Ça, on a eu l'occasion aussi de l'expliquer un petit peu, je vais le réexpliquer ici. Ils suivent les versets qui portent à ambiguïté. Rappelez-vous ce que dit Allah dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, au début de sourate Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Quant à ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils suivent ces versets à ambiguïté. Ibtira al-fitnati, en cherchant par ceci al-fitna, al-khilaf, al-tafarruq. Ils cherchent la discorde, ils cherchent la confrontation, la polémique dans le faux. Et ils cherchent aussi quoi? Ta'wil, l'explication. Mais une explication, comme on va le voir, qui est erronée, qui vient conforter sur ce quoi ils sont. Donc ils suivent al-mutashabi. Alors que les gens de la sunna, le mutashabi, les versets en ambiguïté, ils les ramènent toujours sur les versets qui ne portent pas ambiguïté, afin que le tout devienne compréhensible et le tout devienne muhkam, sans ambiguïté. Et aussi, une dernière particularité qu'ils ont, les gens de l'innovation, c'est qu'ils déforment les preuves religieuses, yuharrifun al-adilla, et ils les expliquent par une mauvaise explication. Alors, on a cité combien de points ici? 7 points. 7 grandes particularités. La SMM Bab et l'Estirab. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas restrictives, elles ne sont pas exhaustives. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais il y en a bien plus par lesquelles ils se caractérisent. Voilà que ces 7-là sont récurrentes. D'accord? Et ce sont les principales. Le Shir dit juste après, écoutez bien. هَذِهِ مِنْ مُمَيِّزَاتِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وهي بضد مميزات أهل السنة والجماعة. أيوة، ça c'est important mes frères. Il dit voici les principales. Où il dit c'est les caractéristiques des gens de l'innovation et de la passion. Et elles sont à l'opposé des caractéristiques par laquelle se caractérisent les gens de la sunna. Si on reprend ces 7 points, leur source de législation n'est pas restrictive au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Effectivement, si on prend Ahlul Kalam, ils ont pris
comme fondement les textes grecs qui avaient été traduits en arabe au temps du Khalifa al-Ma'mun, le Khalifa al-Abbasi. Donc c'est 3e siècle de l'Égypte. Textes qui ont été traduits en arabe, qui ont été étudiés et qui sont rentrés petit à petit pour pervertir la croyance des musulmans. Donc ces gens-là, ils prenaient comme base ces textes grecs, ils prenaient du livre d'Allah et de la sunna du prophète ce qui venait conforter ce qu'ils avaient déjà dans ces fondements de la philosophie grecque. Donc vous voyez que leur source de législation n'est pas restrictive au livre d'Allah et à la sunna du prophète, mais ils prennent un peu de tout. De même qu'on avait vu que As-Sufiyya, à l'opposé, ceux qui font devancer les passions et les sentiments sur les textes religieux. Ils disent quoi? Comme on le verra tout à l'heure dans le col de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils disent, nous prenons du wahy, c'est-à-dire de la révélation, ou al-ilham. Ilham, c'est quoi? L'intuition divine, ou l'inspiration divine, ou al-kashaf. Al-kashaf, c'est-à-dire le dévoilement. Autrement dit, la personne qui a atteint un degré chez eux, il dira, j'ai eu une intuition divine que vous devez faire ceci ou que vous ne devez pas faire cela, etc., etc. Et les disciples, bien sûr, le croient sur parole et le suivent dans ceci. D'accord? Ou il dit, j'ai eu le kashf, c'est-à-dire j'ai eu le dévoilement, toute chose m'a été révélée maintenant. Comme ce fut le cas de Tijani et d'autres qui sont tombés dans ce genre d'aberration. Donc vous voyez que ils ne prennent pas que du livre d'Allah et de la sunna du prophète. À l'opposé des gens de la sunna qui, eux, leur source de législation, elle est claire. Kitab Allah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point. Mu'allif, Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hafizallah, il dit, leur voix, elle a été inventée par qui? Par leurs savants. Alors que les gens de la sunna, leur voix, c'est la même qui a été enseignée il y a 1500 ans à la Mecque ou à Médine, entre le prophète et les compagnons du prophète. Salawatullahi wa salam wa radiallahu tabaraka wa ta'ala. Ils expliquent le livre d'Allah et la sunna du prophète selon leur passion. Autrement dit, ça on l'avait déjà vu aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont leur croyance, ils ont leur voix, et ils vont prendre le livre d'Allah, le Mus'haf, ils vont regarder qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans le livre d'Allah qui pourrait bien appuyer ce qu'on pense ou ce qu'on dit, ou ce sur quoi on est. C'est comme ça qu'ils font. Tous les gens d'innovation, ils font comme ça. À plus ou moins grande échelle. Ils regardent. Ah, ce verset, il pourrait être bien. Si on l'explique de telle manière, ça peut être un argument pour nous. Alors que les gens de la sunna, ils ne font pas comme ça. Les gens de la sunna, par exemple, sur une mas'ala, sur une problématique, sur une chose, sur un hukm, ils ramènent tous les textes du Coran. Tous les textes de la sunna, ثُمَّ يَسْتَخْرِجُونَ الْأَحْكَامِ وَيَسْتَنْبِتُونَ الْفَوَادِ الْأَخِرِ. Ils prennent tous les textes du Coran et de la Sunna, ils rassemblent tous ces textes-là en un seul, et ensuite ils sortent les règles religieuses de ceci. Ensuite, il dit, وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَقْلِ. Ils s'appuient sur la raison. Et on avait expliqué ceci, mes frères. La raison, les gens de la Sunna ne la rejettent pas, la raison. Mais ils l'utilisent à bon escient, dans ses limites qu'Allah lui a imposées. La raison, elle ne viendra jamais contredire les textes religieux. Ça, c'est une base chez nous. Yaqulu ahlu sunna, ahlu sunnati, yaqta'una bimuafaqati, sarihi al-ma'koul li sahih al-manqoul. Les gens de la sunna sont unanimes pour dire que il n'y a aucune contradiction entre les textes authentiques et la raison saine. Aucune contradiction. Le problème, il est où, mes frères? Le problème, c'est quand on fait devancer la raison sur des choses où la raison n'a pas sa place et qu'elle ne peut pas expliquer. On a pris l'exemple des noms et des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hada madhhab al-aqlaniyin. C'est le madhhab ou la voie des rationalistes. Parmi eux, le mu'tazila qadiman. Et à notre époque, on les appelle al-aqlaniyoun. Il y a encore des restes des mu'tazila à notre époque. Aussi, ils s'appuient sur les hadiths mensongers, ou alors faibles, ou alors wahina, sur lesquels on ne peut pas s'appuyer. Da'ifa, c'est très simple à comprendre, mes frères. Pourquoi les gens de l'innovation souvent s'appuient sur des hadiths qui sont faibles ou mensongers? Surtout mensongers.
Tout simplement parce que ceux qui ont inventé ces hadiths-là, ils font partie des gens de l'innovation. Ce n'est pas les gens de la Sunna qui ont inventé des hadiths mensongers sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les gens d'innovation qui ont inventé des hadiths mensongers sur le prophète afin d'appuyer leur voix, leur madhab. Non. De même que les hadiths faibles. Lorsqu'ils trouvent un hadith faible qui conforte sur ce sur quoi ils sont, ils le prennent. Et ils sont très laxistes sur le fait de porter un jugement sur le hadith, à savoir s'il est authentique ou s'il est faible. Si ça peut être une source de législation sur laquelle on peut s'appuyer ou non. Alors que les gens de la Sunna, bien sûr, au contraire, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, puis par ou le bienfait ou le travail qu'ont effectué les gens du hadith, immatul hadith, qadiman, wa hadithan, alhamdulillah, la Sunna elle nous est parvenue jusqu'à nous avec tout ce travail de tanqiyah, wa tasfiyah, de purification, d'investigation. Non? S'il n'y avait pas les savants, s'il n'y avait pas l'appui des savants du hadith, on suivrait une autre religion que celle que sur laquelle était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès les premiers temps, alhamdulillah. Les savants du hadith, amthal l'imam al-Bukhari, wa muslim Ahmed, ibn al-Madini, l'imam al-Awza'i, Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq ibn al-Rahawi, tous ces grands savants du hadith, ils ont fait ce travail pour nous. Alhamdulillah. Allah dit dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Autrement dit, le rappel ici, c'est le livre d'Allah et c'est ce qui explique le livre d'Allah, c'est-à-dire la sunna du prophète. Donc Allah s'est porté garant de préserver non seulement son livre, mais aussi ce qui vient expliquer le livre d'Allah, c'est-à-dire la sunna du prophète. Comment Allah a préservé la sunna du prophète? En mettant des gens, rijal, des hommes, qui se sont mis en face de ces menteurs et de ces imposteurs, qui ont voulu falsifier la sunna du prophète en inventant des hadiths et en lui faisant dire des choses qu'il n'a pas dit. Salawatullahi wa salamu alayhi. Donc les gens de la sunna, ils s'appuient cœur sur le hadith authentique. Alhamdulillah. Sahih Hassan. Ah, mais les gens de l'innovation, ils prennent tout. Ils ne font pas de différence entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Peu importe, tant que ça vient conforter leur innovation religieuse. De même, yattabi'un al-mutashabi. Ils suivent le mutashabi, les versets ambiguïtés. Alors que les gens de la sunna, ils suivent al-muhkam. Al-ayat al-muhkama. Naam. Les versets sur lesquels il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils font? Ils rassemblent tous les versets. Et les versets ambiguïtés, ils les ramènent à la base, aux versets qui sont muhkam, et ils les expliquent afin que le tout devienne muhkam, c'est-à-dire sans ambiguïté. De même, yuharrifuna al-adilla wa yu'awwiluna an-nas wa yu'awwiluna at-ta'wil al-fasid. Dernier point, ils déforment les preuves religieuses tirées du livre dans la sunna du prophète et ils en font une explication qui est erronée. Pourquoi? Parce qu'ils ne basent pas leur explication sur celle des sahaba. Non, c'est aussi simple que ça. Par exemple, Jahm ibn Safwan disait, quand Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Wa kallama Allahu Musa taklima. Jahm ibn Safwan, qu'est-ce qu'il disait? Puisqu'il il rejette l'attribut de la parole à Allah, il dit wa kallama Allaha Musa. Il a changé une harakat. Et ça change le sens de la phrase. Ce n'est plus Allah qui a parlé à Moussa, mais c'est Moussa qui parle à Allah. Tout ça, pour la simple et bonne raison que lui, il dit, Allah n'a pas l'attribut de la parole. Allah ne possède pas l'attribut de la parole. Donc, ici, qui a parlé? C'est Moussa qui a parlé à Allah, et ce n'est pas Allah qui a parlé à Moussa. C'est ce qu'on appelle du tahrif, la déformation. Bien sûr, comment on répond à lui? C'est simple. Dans un autre verset, Allah dit, wa kallamuhu rabbuhu. Et son Seigneur lui a parlé ici, il ne peut plus rien faire. Ce tala'abbi, bil harakat. Mais il a changé une voyelle afin de changer le sens de la phrase. Tout ça pour que ça concorde avec sur sa croyance à lui. Vous voyez, ce qu'on appelle du tahrif. Ça, c'est connu chez les gens de l'innovation. Mais les gens de la sunna ne font pas ce genre de choses-là. Ils respectent trop le livre d'Allah et la sunna du prophète pour s'amuser à
retrancher ou essayer de jouer avec les mots ou avec les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris, mes frères ? Eh oui. Idan yakulu shaykh, harihim min mumayizati ahli al-ahwa wal bid'ah, wa hiya bidd mumayizati ahli sunnah wal jama'ah, ashab al-manhaj al-haq alladhina yattabi'una manhaj an-nubuwwati wa yatamassakuna bihi. Voilà la voie des gens de sunnah wal jama'ah, ceux-là même qui suivent la voie prophétique et qui s'y accrochent. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وبالجملة افتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. C'est une phrase importante, mes frères. En résumé, la dissension, division qu'il y a eu chez les gens du livre. Vous savez qu'ils se sont divisés en 71 sectes pour les juifs, 72 sectes pour les chrétiens, comme a dit le prophète, etc. Les dissensions qu'il y a eu entre eux. Et les dissensions qu'il y a eu aussi dans notre communauté, puisque notre communauté s'est divisée en 73 sectes. Elles n'ont été le fruit que de la mauvaise interprétation. Innama aujabahu ta'wil. Ce n'est que la mauvaise interprétation qui a conduit à ceci. D'où l'importance, mes frères, de revenir à la compréhension des sahabas. Wallah hadi safinatun najat. C'est le bateau de secours, comme on dit, comme disent les savants. Safinatun naja. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Celui qui fait scission d'avec le prophète, du messager alayhi salam, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Le chemin des croyants, c'est qui? Sahaba, comme on l'a vu. On a ramené des preuves dessus. Vous voulez suivre un autre chemin que celui des sahaba? Regardez ce qui vous attend. Nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné. Et nous le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. N'importe quelle personne qui se prétend, qui se réclame de l'islam et qui suit un autre chemin que celui des compagnons, sachez que cette personne-là est dans un égarement évident. Yaqul ibn Abi al-Aziz al-Hanafi. Vous vous rappelez c'est qui? Ibn Abi al-Aziz al-Hanafi. C'est celui qui a expliqué, qui a fait le fameux commentaire de Tahawiyah. C'est le meilleur commentaire de l'aqidat de Tahawiyah. Yaqul, wa hal kharajat al khawarij, wa atazalat al mu'tazila, wa rafadat al rawafid, wa aftaraqat al ummatu ala 73 firqatan, illa bit ta'wil al fasid. Wa nafs al kalam ibn al qayyim, rahimahumallahu, tabaraka wa ta'ala. Il dit, les Khawarij sont sortis. Vous savez, les Khawarij, c'est qui? Khawarij, c'est la première secte qui est sortie en islam. Ce sont eux qui sont sortis sur les compagnons du prophète et qui les ont combattus. Les premiers. Et ils étaient déjà présents autour du prophète, en la personne de Dhul Khuwaysira, cet homme-là qui, des Bani Tamim, qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partageait le butin après la bataille de Hunayn. Il partageait. Et il a dit au prophète, Ya Muhammad Irdil, sois juste dans le partage. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa in lam a'dil ana, fa man ya'dil. Si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Si moi, l'envoyé d'Allah, je ne suis pas juste, qui peut se prétendre être plus juste que moi? Fa qala Omar ibn al-Khattab wa fi riwaya Khalid ibn al-Walid, Ya Rasulullah da'ni adribu unuqah. Ya Rasulallah, laisse-moi lui frapper son cou. Laisse-moi lui frapper son cou. Et le prophète, il a dit là. Sayakhrujuna minhu. Man yaqra'una al-Qur'an la tajawaz taraqihim. Tu trouveras parmi eux des gens qui liront le Qur'an la tajawaz taraqihim. Ils ne dépasseront pas leur gosier, leur gorge. C'est-à-dire que quand ils lisent, il y a plusieurs explications sur ceci. Lorsqu'ils lisent le Coran ne vient pas jusqu'à leur cœur. Ils ne profitent pas du Coran. Non? Effectivement, le Khawarij, c'était des Ubad. Ils passaient leur nuit en prière, ils passaient leur journée à jeûner ou dans le combat. Ubad, walakin ala dalal, mais dans l'égarement. Non? Le Khawarij.
Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abd al-Aziz al-Hanafi? Il dit Hal kharajat al-khawarij. Les khawarij sont sortis. Wa'tazalat al-mu'tazila. Et les mu'tazila se sont écartés. Mu'tazila, on la personne, le tout premier qui s'est écarté de la voix des gens de la Sunna, et en l'occurrence de l'assise de Hassan al-Basri, c'est Wasid ibn Atta. Et parmi ceux qui l'ont suivi, Amr ibn Ubaid, et c'est par cet homme-là que Mazhab al-Mu'tazila s'est répandu. Les Khawarij sont sortis. Les Mu'tazila se sont écartés. Rawafid, Rafadat al-Rawafid. Les Rawafid ont refusé. Ils ont refusé quoi, Rawafid? Pourquoi on les appelle Rawafid? Car ils ont refusé quoi? Le califat de Abu Bakr, Omar, Osman. Wa kaffaru mu'azam al-Sahaba. Ils ont excommunié de la religion la plupart des Sahaba, sauf 6 ou 7. La plupart des Sahaba pour eux sont le kuffar. Rawafid. Ibn Abi al-Iz al-Hanafi dit, rahimahullah, les Khawarij sont sortis. Les Mu'tazila se sont écartés. Rawafid ont refusé. La Umma s'est séparée en 73 sectes, si ce n'est que par la mauvaise explication. At-ta'wil al-fasid. La mauvaise compréhension de la religion. C'est clair, mes frères? L'importance. Rujou' ila fahmi sahaba. Wa ila fahmi salaf al-salih. Fi fahmi dinina. هذا المنهج يقول المؤلف هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. Il dit, cette voie-là qu'ont emprunté les gens de l'innovation et de la passion est en contradiction avec la voie des gens de la Sunna et du consensus dans l'approche des textes religieux. Et c'est un des plus grands facteurs de division de la nation islamique, ou de la Ummah islamique. Non ? C'est un des plus grands facteurs de division, la mauvaise compréhension de la religion. Impossible, il est impossible, mes frères. Même la personne la plus intelligente du monde, il est impossible qu'elle prenne le livre d'Allah et qu'elle le comprenne comme il faut. C'est impossible. Il est obligé, pour comprendre le livre d'Allah, de revenir à la sunna du prophète. Et pour revenir à la sunna du prophète, on a besoin de qui? Sahaba. C'est la seule voie par laquelle on pourra arriver à notre objectif. Yaqul au Cheikh l'Islam, un peu plus loin dans le livre, fil fatawa, yaqul, ça c'est une phrase importante, فَالْبِدَعُ تَكُونُ فِي أَوَّلِهَا شِبْرًا ثُمَّ تَكْثُرُ فِي الْأَتْبَاعِ حَتَّى تَصِيرَ أَذْرُعًا وَأَمْيَالًا وَفَرَاسِخ. Alors commencement, les innovations religieuses, elles sont de la taille d'un empan, شبر. Et avec la profusion de ceux qui la suivent, elles deviennent progressivement de la taille d'une coudée, puis d'un mail. Le mail, c'est distance plus d'un kilomètre. Ou un farasir, le farsar, c'est encore plus grand. Au début, Wasil ibn Atta, il a dit une phrase. Une phrase, il a dit au début. 150 ans après, 200 ans après, c'était une religion d'État. Al-Irtizal, une religion d'État. Les califats, Khalifatul Ma'mun, Khalifatul Mu'tasim, Wal-Wathiq, ces trois califs-là, ils étaient Mu'tazila. Al-Mazhab al-Mu'tazila, ils obligeaient les gens à être sur ce Mazhab. Vous vous rendez compte? Au début, c'est parti de quoi? D'une parole, d'un homme. Et à la fin, il y a eu le sang qui a coulé. Pourquoi? Parce qu'ils obligeaient les gens, la Sunna à suivre ce sur quoi ils étaient. Ça nous prouve, mes frères, ça nous montre, mes frères. Et ça doit nous alerter sur le fait que il ne faut rien négliger dans ces choses-là. Et c'est pour ça que les gens de la Sunna, lorsqu'ils voient les prémices de l'innovation religieuse, ils ferment la porte directe. Un jour, un homme est rentré dans la mosquée de l'imam Malik. Tout le monde connaît cette histoire. Ya imam,
الرحمن على العرش استوى كيف. Lorsque l'imam Malik a entendu ceci, il a baissé sa tête, la sueur a dégouliné de son front. هذا بدعة هذه بدعة من القول هذه بدعة من القول لم يسبقه أحد من الناس. Personne l'a devancé dans ceci, dans cette question. Comment on peut poser une question sur Allah? كيف نتكلم في ذات الله تبارك وتعالى؟ Comment on peut dire كيف الله؟ كيف فعل هذا؟ كيف استوى؟ كيف هو؟ C'est invraisemblable. L'imam Malik, il est tombé. يعني تسبب العرق. La sueur. Et son visage est devenu tout rouge. Puis il a relevé la tête au bout d'un moment. Il a dit cette phrase. الاستواء معلوم. والكيف مجهول. Comment Allah s'est établi sur son trône? مجهول. هل أخبر الله تبارك وتعالى بكيفية الاستواء؟ لا. مجهول. غير معقول في الرواية. والإيمان به واجب. Le fait d'y croire, c'est une obligation. من يجحده كافر. Celui qui conteste qu'Allah s'est élevé sur son trône, كافر بالله. بالإجماع. هذا النص المحكم. لأن في القرآن والسنة والسؤال عنه بدعة. Et le fait de poser cette question, c'est une innovation, c'est une بدعة. أخرجوه من هذا المسجد. Faites-le sortir de cette mosquée. Et qu'il était dur, l'imam Malik. Pourquoi il était aussi dur que ça? Pour fermer la porte. Car si on laisse la porte ouverte, si l'imam Malik avait répondu à cette question, ça aurait légitimé ce genre de question par la suite. Mais il a fermé la porte. Vous voyez que les savants, la fitna, ils la voient arriver de loin. C'est pas comme les ignorants. L'ulama, elle fitna, إذا أقبلت لا يدركها إلا العلماء وإذا أدبرت لا يدركها إلا الجهلاء. Elle fitna, quand elle arrive, il n'y a que les savants qui la voient arriver de loin. Le juhal, il ne voyait rien arriver. Par contre, lorsqu'elle est passée, qui l'a subi? Cette fitna, c'est le juhal. C'est les ignorants qui l'ont subi. Parce qu'ils n'ont rien vu arriver. Ils l'ont pris, comme on dit, ils l'ont pris de face. Hein? Donc, l'importance de revenir aux savants sur ces choses. Dans un souci de préserver notre religion, notre dogme. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في وصف أهل العبادات البدعية وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات. Cheikh Islam dit dans la description de ceux qui s'adonnent à des actes d'innovation. Il dit les gens d'actes d'innovation, Shaitan leur embellit ces actes-là. Hein? Quelqu'un par exemple qui va vers les tombes. تمسح والتبرك موجود بالكثرة. والله أنا رأيت بعيني في سوريا في المغرب رأيت بعيني يتمسحون وأحيانا يصل هذا إلى الشرك الأكبر لأنه يتمسحون ويعتقدون أن مجرد التمسح يؤثر بذاته. Il pense que le simple fait de faire ça, ça a un effet direct. Sans dire que c'est Allah qui te ramène le baraka. Ils disent le simple fait de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un wali dans la tombe. Shirk Akbar. Grand shirk qui fait sortir de la religion. Bref, il dit quoi? Shaitan leur embellit leurs actions. Il lui dit, regarde ce que tu fais. Là, c'est la tombe d'un wali. C'est la tombe d'un saint. Il a une place auprès d'Allah. Regarde tout ce qu'il a fait comme ibadat. Regarde un petit peu la notoriété qu'il a dans la religion. Lui, si tu lui demandes, il va intercéder pour toi auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et n'aie pas peur du reste. Hakadha yaqulun. Alors, Shaitan leur embellit leurs actions. Shaitan n'a pas dit à Adam, Qul min ash-shajara. Il n'a pas dit comme ça. La adulluka ala shajaratin. In akalta minha, yu'atika Allahu kaza wa kaza wa kaza. Hein? Shaitan n'a pas dit à Adam, mange de l'arbre. Il a dit non, tu sais pourquoi Allah t'a interdit l'arbre? Parce que tu auras un royaume immense et tu auras la vie éternelle. Yuzayyin al-umur. Naam. Wa yubaghidu ilayhim subul al-shar'iyya. Non seulement Shaitan, il ne se contente pas de
de leur obéir leurs actes déviants. Mais il fait quelque chose juste après, c'est qu'il leur obstrue les chemins légitimes, ceux sur lesquels cheminent les gens de la sunna. Kitab Allah wa sunnata sunnillah, c'est toi salam. Shaitan, il leur ferme ces voies-là. On dit non. Regardez ce que disaient certains soufis. Certains soufis disaient quoi? Ils disaient, vous voyez les prophètes, lorsqu'ils s'adressaient à leur peuple, ils s'adressent pour le commun des gens, pour la masse des gens, c'est-à-dire les ignorants, en gros, pour toi et moi. Mais les khawas, ceux qui ont compris la religion, sont à un degré au-dessus. Ils ne sont plus concernés par le discours du prophète. Jusqu'à ce que certains même disaient, je suis plus mukallaf. Je ne suis plus obligé de faire des actes d'adoration parce que j'ai atteint un certain niveau qui me dispense de faire les actes d'adoration. Alors, ma'arouf, mes frères. J'ai le livre ici, Talbis Iblis, de l'imam Ibn Jawzi. Il est traduit en français, lisez-le. Satarauna ajib al-ujab. Vous verrez des choses étonnantes dedans. Yuzayyinu lahum al-shaytan a'malahum wa yasuddu lahum al-subul al-shar'iyya. Non? Il leur ferme et il leur fait détester les voies légitimes. Il leur fait détester aussi l'apprentissage du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Ils n'aiment pas l'apprentissage du ilm. Pourquoi? Car ça reviendrait à les ramener à leur réalité, à confronter à la réalité sur laquelle ils sont, c'est-à-dire l'égarement et l'errance. Ils n'aiment pas écouter le Coran ni le Hadith. Ils n'aiment pas écouter le Coran ni le Hadith, à plus ou moins grande échelle. Pourquoi? Vous voyez que Jam ibn Safwan, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez que Jam ibn Safwan, c'est un homme, il y a longtemps. Il a dit, lui, sa croyance, c'était que Allah, on renie tous les noms et les attributs d'Allah. Allah n'a aucun nom, il n'a aucun attribut. Et on lui a posé la question, on lui a dit, si tu devais enlever un verset du Coran, c'est lequel? Il a dit Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Il a dit si je devais enlever un seul verset, c'est celui-là. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Non. Imaginez-vous cet homme-là, lorsqu'il lit le Coran, il passe devant ce verset. Qu'est-ce qu'il doit ressentir lui-même? Il doit être en contradiction avec lui. Il n'est pas mutma'in, mes frères. Et on l'avait déjà vu ça. On l'avait déjà vu, le fait de suivre le kitab ou sunna, ça ramène quoi? La tranquillité du cœur. Alhamdulillah. Ana ala makana alihi sahaba. Je suis sur la même voie sur laquelle était sahaba. Ça ramène al-sakina, al-tumanina. Non, ça ramène la tranquillité du cœur. C'est vrai ou non, mes frères? Les gens de la bid'a, ils n'ont pas ça. Donc, yubaghiduna wala yuhibbuna sama' al-Qur'an wal hadith wala dhikra wa qad. Ça, c'est pas chez tout Ahl Bidar, mais chez certains. Par exemple, Tablir, pour ne citer que. Vous avez un livre comme ça dans la main, un jeune, wallah, un jeune, qui sort de la cité, qui a un livre comme ça dans la main tout le temps avec lui, ils vont le critiquer. Mon frère, c'est quoi ce livre? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Laisse ça, mon frère. Hein? C'est vrai ou non? Ils n'aiment pas la science. Pourquoi? Parce que ça les ramène à leur réalité. Je vous parle parce que je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu. Donc, mes frères, c'est des caractéristiques des gens de la bid'a qu'on doit connaître. La yuhibbouna al-ilm. Abadan. Et je vous ramener tout à l'heure un propos qui vient appuyer ceci. À propos de Cheikh l'Islam. Idan, hatta al-kitab, la yuhibbouna kitaban, wala man ma'ahu kitab. Et il n'aime pas aussi quelqu'un qui a tout le temps des livres avec lui. Walau kana ma ma'ahu mashafan aw hadith. Fût-il le mashaf ou le hadith. Kama haka al-Nasr Badi. Comme l'a rapporté al-Nasr Badi. Nasr Badi, c'est un savant, salaf. Yada'u ilma al-khiraq wa ya'khudhu ilma al-waraq. Il dit sur moi, il délaisse la science des miracles et il prend la science des feuilles. Hein? Il délaisse la science des miracles. Ça, c'est le soufi. Soufi, leur religion, elle est basée sur quoi? Ah, mu'ajizat al-wali al-fulani. Il a fait un miracle, mashallah. Qulubuna tata'allaku bihi.
Notre cœur s'attache à lui maintenant. Lui, il a fait tel miracle. Leur livre, ils sont remplis de ça. Lui, il a fait tel miracle. Lui, il a fait tel miracle. Regardez à un tel. Tel miracle face à un wali, mashallah. Il est sur la voie droite. Hakaza. Yata'allakuna bil khiraq. Khiraq al-mu'jizat. Wa man alladhi yata'allaku bil waraq. Le waraq, c'est le waraq. Par les feuilles, les feuilles des livres. Le hadith. Al-sunnati wal-jama'a. Alors, ils étaient en train de le critiquer. Ils l'ont dit. Il délaisse la science des miracles et il prend la science des feuilles. C'est-à-dire, il s'attache au nas, au livre. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, wa kuntu asturu al-wahi. Il était jeune. Il a dit, moi, quand je les voyais, je cachais mes al-wah. C'est-à-dire, mes planches sur lesquelles j'écrivais le ilm. Je les cachais à leurs yeux. Falamma kabirtu, ihtaju ila ilmi. Mais lorsque j'ai grandi, c'est eux qui avaient besoin de ma science. Et voilà, vous avez compris? Un peu plus loin, dans le même chapitre, Cheikh Raslan Hafidallah ramène une parole de l'imam al-Barbahari. On avait dit que l'imam al-Barbahari, c'est un des grands savants qui a défendu la sunna avec vigueur. Et il vit dans une époque où il était persécuté. Il dit, « Iza sami'ata rajula ta'tihi bil athari fala yuriduhu wa yuridu al-Qur'ana » فَلَا يَشُكُّ أَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ اِحْتَوَى عَلَى الزَّنْدَقَةِ فَكُمْ مِنْ عِنْدِي وَدَعْهُ. Il dit, lorsque tu entends un homme qui vient vers toi avec l'athar, avec le hadith du prophète, avec la sunna du prophète, فَلَا يُرِدُهُ, et qu'il ne le veut pas, qu'il rejette ceci, وَيُرِدُ الْقُرْآنِ, mais il veut seulement le Coran, en rejetant la sunna, فَلَا يَشُكُّ أَنَّهُ فَلَا يُشَكُّ عَفْوًا أَنَّهُ رَجُلٌ قَدْ اِحْتَوَى عَلَى الزَّنْدَقَةِ. Il ne fait aucun doute que cet homme-là renferme en lui un zendaka. Zendaka, c'est un terme générique qui a plusieurs sens. En général, zendir, c'est celui qui s'est détaché de la sunna complètement et qui est devenu en marge de la religion. Ou alors, zendaka, c'est quelqu'un qui est tombé dans l'athéisme. Ou alors, zendaka, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, mais aux yeux et aux vues de tout le monde, il s'en cache pas. Ou bien Zindir, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être un dévot, quelqu'un d'abid, zahid, et qui ne l'est pas. Donc Zindir, c'est, ça regroupe tous ces sens-là, Zindir. Et il dit quoi? Il dit l'imam al-Barbahari, il dit quelqu'un, quand tu vois un homme qui vient vers ce Zindir, il vient avec la sunna, et lui il la rejette, il dit non, moi, je veux pas la sunna, ramène-moi que le Qur'an. N'ai aucun doute que cet homme-là, c'est un Zindir. Il dit, fakum min indihi wa da'ahu. Lève-toi de lui et laisse-le tranquille. Laisse-le. Ne reste pas avec lui. Là. Et il dit aussi, ça c'est Cheikh Raslan, il dit, « Wa ahlul ahwa'i wal bid'a' la ya'tanouna bitanqih as-sunnah. » Les gens de l'innovation, ils n'attachent aucune importance dans la purification de la sunnah. Savoir la purification de ce qui fait partie de la sunnah et de ce qui n'en fait pas partie. Les gens de la bid'a' n'attachent pas d'importance. Ils prennent tout. D'accord? C'est pour ça que leurs livres sont remplis de hadiths mensongers, de hadiths faibles. D'accord? Et ils s'appuient, ils font d'une religion dessus. Et ils mentent sur le prophète, ou bien volontairement, délibérément, ou bien par leur ignorance. Ça c'est Kalam Cheikh Raslan. Rawafid wal Jahmiya yata'ammadun al-kaziba fi hadith al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les Rawafid, on dit que les Rawafid c'est les chiites.